Salut tout le monde, c'est Steph59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le spécial coup de cœur numéro 24. Et c'est encore du lourd que je vais vous présenter cette semaine. Donc c'est parti, on démarre avec la première piste. Alors c'est la piste SB Mundy Munchinger, c'est Fusion Shared. C'est du créateur Swampball sur PS4. Et pour ceux qui le connaissent, il fait du lourd. Et là encore, c'est de l'innovation au niveau de la création. Donc je vais vous présenter mon replay. J'ai un petit oiseau qui chante. Donc c'est un speedrun sur un thème nature. 2, 1, go. Et c'est parti. Alors déjà là, il y a un effet, on burn. Et c'est parti. Regardez-moi ces 4x4 déjà. Ils sont monstrueusement bien réalisés. Et là, il y a des effets où on patine. C'est bien foutu, franchement. Ça surprend, on n'est pas habitué de voir ce genre d'effet sur une piste. Donc il y a les petits oiseaux qui chantent, on est sur un thème nature, des rampes en bois. Mais même si ça patine, faut rien lâcher, faut rester accéléré, C'est un gros speedrun. Un gros saut, une bonne descente. Et là vous allez percevoir sur l'arrière-plan un buggy qui fait 360. C'est un truc de fou. Là les barrières qui tombent. Ah ouais, il y a de la rampe, faut rien lâcher, faut aller chercher. Et là j'aime le saut et l'effet de profondeur avec la décoration et la cascade. Ça a un effet de profondeur à la piste, c'est énorme. Et regardez-moi ce 4x4, franchement il est fabuleux. Fabuleux ce 4x4, un travail de création énorme. Et là, poum, fin de la piste, super boulot. Et on passe tout de suite à la deuxième piste, alors c'est Holy Rock. C'est du créateur Windowmaker 301. Donc je vais vous présenter mon replay sur cette piste. Pareil, un gros speedrun. La déco elle est top. Il y a les sons. Il y a tout ce qu'il faut. Un bonbon speedrun franchement. Et en roach. Pour changer c'est du roach. Donc c'est parti. 2, 1, go. Et là regardez-moi cette décoration. Nature sauvage. Un peu futuriste. Avec les rampes. Les sons sont bon endroit. Franchement. Vous allez voir que les sons donnent un bon effet par rapport à l'événement qui se produit. Et il y a du long et du gros saut. Oh là là, regardez-moi cette déco. Et ce genre de piste en speedrun comme ça, avec les sons et tout, ça me rappelle un petit peu les pistes d'un créateur sur Trial Evolution. Il faisait de très bonnes pistes également dans ce domaine. Mais je sais plus son nom. Ça va me revenir. Et là, un son arrière. Raviance. Le créateur, c'est Raviance. Il faisait de très bonnes pistes comme ça aussi en speedrun. Donc, super piste. Et on passe tout de suite à la troisième piste. Alors, c'est FK Rust Faction. C'est du Fusion Shared. Pareil, ça vient de PS4. C'est Funtastic, le créateur. Et je vais vous présenter mon replay sur cette piste. 17ème quand même, c'est pas mal. Et je prends pas les shortcuts. Il y en a un, j'arrive pas à le prendre, c'est mort. J'arrive pas. Donc c'est parti. 2, 1, go. Et là, regardez-moi la déco. Également, elle est géniale. J'aime beaucoup l'effet de la lune comme ça, avec l'ombre de la montagne derrière. Ça donne une profondeur à la piste. Ah, celui-là, hop, et on enchaîne. Gros saut. Pareil, hein, faut pas avoir peur. C'est celui d'après. J'arrive pas à le prendre. Celui qui est juste là. Moi je passe en dessous. Là, juste là. Moi je passe en dessous et on peut passer au-dessus. Mais j'arrive pas à aller chercher. Un gros saut. Et là, je me suis vautré. Et là, j'arrive pas non plus à enchaîner. Pile poil. Hop. Essayons d'arriver. Regardez-moi la lune. Et on tombe dans un bouillon. Très belle piste sur le central track. Et on passe vite à la quatrième piste. Alors c'est Red Lynx Net Server Space. C'est du créateur MC Jingo. C'est du difficile. Donc voici mon replay sur cette piste. Sinon j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Vous avez tous la patate. En plus il fait beau. Ça fait du bien. Donc c'est parti.
Go. Alors là. Ping. J'aime beaucoup le principe de la ligne de course, sauf ce petit passage. Je galère, je n'arrive pas à le prendre d'une traite. Mais c'est pareil, il y a des multipistes en fait. Des endroits qu'on peut passer soit en dessous ou au-dessus. Multipiste, voilà. Ben, grosso, on prend de la vitesse. Il faut aller chercher celui-là. Donc là, si on passe, on peut passer en dessous ou au-dessus, comme je vais faire. Donc il n'y a pas beaucoup de profondeur sur cette piste, hein. C'est juste pour la ligne de course. Hop, et là ça s'enchaîne, on bondit, hop, hop, et on finit dans la caisse, bing! Et c'est l'arrivée, dans une caisse, et on se retrouve dans la flotte. Pff. Et on passe tout de suite à la prochaine piste, alors c'est Petroleum, c'est du fusion charade, c'est du difficile. Bonne piste également, sur le central track. Donc voici mon replay sur cette piste. C'est du créateur Zours sur PC. Aha, 2, 1, go. Et c'est parti. Alors ça fait usine. Vraiment. Et gros saut. Elle est technique, elle est technique. Hein. On est vraiment sur un thème d'industrie. Là, on rattaque. Bien sûr, je perds du temps sur certains endroits. Hein. Je suis un petit plot parfois. On fait un rebond. Et là, on enchaîne. Hop, on va le chercher celui-là. Et c'est la ligne d'arrivée. On file dans le bouillon. Bravo, créateur. Et on passe tout de suite à Fall Valley. Du créateur Amorphous. Waouh. Qu'est-ce que je suis content de voir certaines de ces pistes revenir. Ces créations. J'adore ce créateur. Et je vais vous présenter mon replay sur sa piste. Pareil, un gros speedrun. Elle fait mal, j'aime bien la ligne de course. Ah ouais. Donc c'est parti. 3, 2, 1, go. Alors il y a le reflet du soleil dans l'eau, c'est juste magnifique. Tout y est sur cette piste. Quoi. J'aime beaucoup le moulin. Et la fois attaquer. On aperçoit des champs. Et là, oh, j'adore ce passage. On prend une bonne vitesse. Et là, faut rien lâcher. On rattaque. Regardez-moi l'effet de profondeur de cette piste. Qui se dévoile au fur et à mesure qu'on avance. C'est super. Les couleurs, l'ambiance, tout y est. Regardez-moi ce moulin. Et là, boum, c'est une arrivée sur le moulin. Waouh! Et le soleil. Franchement, tout y est sur cette piste. Et on passe tout de suite à K8, minimal effort du créateur Calzone 8. Pareil, un gros speedrun. C'est du moyen. Donc, c'est la suite d'une série qu'il fait. Et voici mon replay sur sa piste. Go. Et c'est parti. Alors moi je vous la conseille en roach. Maintenant vous pouvez la passer avec la Pit Viper, hein, mais en roach c'est un petit peu plus. On descend plus rapidement dans les chronos. Gros saut. On passe au-dessus de cette roue. Ah, la ligne de course elle est là. Il faut attaquer. Et là il y a un effet d'ascenseur qui va nous propulser. Une trou. Et faut rien lâcher, faut toujours attaquer sur cette piste. Regardez-moi cette déco. Ces bâtiments. Waouh. Énorme. Et on passe tout de suite à la piste Jingle du créateur THDTE. Alors TH, si tu regardes cette vidéo, ta piste, comme je t'ai dit en message, elle est canon. Ah ouais, j'ai adoré. Il y a des endroits où je trim un petit peu, mais j'ai adoré franchement cette piste. Et le vert comme ça, waouh. Donc c'est parti. Jingle du créateur THDTE. 2, 1, go. C'est parti. On est sur une ambiance verte.
Et il y a des petites surprises comme ce petit papillon. Des petits détails comme ça sur cette piste qui donnent tout le sens. Et regardez-moi cette tête. On attaque, on se place bien. Les fleurs aussi en meuf comme ça, j'aime bien. Mais les papillons ils sont bien. C'est canon ces petits papillons. Et là, petit bon. Regardez-moi la fin. Cette tête est géniale. Et petit bonus. Alors ça sera pas mon run, mais c'est Steph's Mountain du créateur Katin. Alors Katin, merci. Ça me fait super plaisir. Ça me touche beaucoup. Et cette piste elle est géniale. Donc j'ai pris le run de Nicode 50. Donc c'est parti. 1, go. Alors il a fait un thème volcanique. Il sait que j'aime bien ce qui est chaud, la lave. Et je trouve franchement bien. J'aime bien. Et moi c'est là que je galère sur cet obstacle. Je lutte énormément. Et pour enchaîner celui-là. C'est un défi pour moi, je galère à mort. Moi je la réalise en 21 fautes et regardez avec quelle dextérité il la passe. C'est une formalité pour lui. Impressionnant. Nicode 50, si tu regardes cette vidéo, franchement, beau run. Merci Katin pour cette piste, franchement, ça me fait super plaisir. C'est waouh. Donc voilà, c'était les pistes que je tenais à vous présenter sur ce spécial coup de cœur numéro 24. J'espère que les pistes vous auront plu. N'hésitez pas à laisser vos messages, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À la partager même. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez-en bien. Profitez de la famille, des amis. Et puis quant à moi, je vous fais des gros poutous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.